Salut Antoine. Tout d'abord, merci de répondre à ces quelques questions. Tout d'abord, bravo pour la victoire contre le FCM. Comment toi, t'as vécu ce match? Écoute, on savait qu'on allait tomber sur une équipe très athlétique. Donc, on savait que pour gagner ce match, il fallait passer par le jeu, par notre football. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant tout le match. Et on a poussé, malgré qu'on n'ait pas réussi à marquer en première mi-temps. On a continué. On savait qu'au bout d'un moment, on allait avoir des occasions franches. Et en deuxième mi-temps, ça a payé. Après, pour ma part, c'était un match assez calme. Donc j'ai pas eu grand chose à faire, mais j'essaie de rester concerné, rester concentré par la parole, en communiquant avec mes coéquipiers le plus longtemps possible, le plus souvent possible, pour leur donner le plus d'informations possible. Et voilà, j'ai eu cet arrêt à faire à la 93e, mais j'étais sûr qu'il y allait en avoir une. Donc j'ai réussi à la réaliser. Et puis voilà, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour le club et pour moi-même, voilà. On voit qu'il y a de plus en plus de monde dans les tribunes, il y a un petit engouement, ça fait quoi de jouer devant ce public-là? Écoute, je ne vais pas te cacher qu'il y a un petit suspense quand on sort du couloir là jusqu'à arriver devant la tribune où on se retourne. C'est à ce moment que voilà, on découvre qu'il y a du beau monde dans la tribune et franchement ça met des frissons. Surtout entre nos supporters qui sont là tous les matchs et qui chantent pendant 90 minutes, ça fait du bien et ça nous aide vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de votre début de saison? Écoute, pour l'instant on est devant, donc c'est très positif. Le gros point positif, c'est que voilà, on a pris 2 buts en 8 rencontres, donc on est la meilleure défense du championnat. Et voilà, donc il faut qu'on continue comme ça. Et chaque match, nous l'important c'est les 3 points, même si. Et on peut dire qu'il y a des derbies, qu'il y a des matchs, on peut entendre qu'il y a des matchs plus compliqués que d'autres, mais tous les matchs sont compliqués et nous, l'important, c'est les 3 points. Ce week-end, déplacement à Ilkirch, qui est avant-dernier. Comment vous appréhendez un peu ce match? Écoute, nous, on sait qu'on est dans un championnat où tout le monde peut battre tout le monde, donc nous, on ne se dit pas, ouais, ils sont avant-derniers, ils ont tant de points. Non, nous, on joue tous les matchs pareil, avec l'envie de gagner, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on ira là-bas pour prendre les 3 points, pour essayer de rester devant et de continuer à gravir les échelons. Un petit dernier mot pour tous les supporters, les partenaires, les gens qui nous suivent. Bah, merci d'être là, merci de nous soutenir, que vous continuez à venir nous voir au stade, que vous emmenez du monde et on vous rendra ça sur le terrain avec des victoires et des beaux moments. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci.